Bonjour bonjour, c'est Kay Staro. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir ce qui a changé au niveau de ce que cette personne ressent pour vous. Donc, euh, comment les sentiments ont évolué. De manière notable. Donc, on va prendre un moment plus ancien. Maintenant, on ne va pas se concentrer sur. Par rapport au tout début, on va se concentrer sur ce qui a changer de manière importante récemment ou de manière plus ancienne. C'est pas la temporalité qui va nous intéresser ici, ça va plutôt être vraiment sur des choses qui sont notables. Voilà. Donc pour vous aider à choisir des petits poissons, <laughs> des petites carpe on dirait. Alors, en premier, on a une bleu clair, un petit peu un petit peu turquoise. En deuxième, alors vous ça va vous paraître peut-être marron blanc mais c'est rose clair, voilà. Et en troisième, on a noir. Voilà. Vous choisissez donc le poisson qui vous appelle. <laughs> S'il y en a plusieurs, vous pouvez aller voir les guidances. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Euh, donc, Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures et puis en plus vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix et euh, ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà enfin sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, le petit poisson bleu. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... D'accord. Okay. Bon. C'est un petit peu le, le jeu du chat et de la souris quand même. Hein. Alors, vous, vous êtes assez, euh, je trouve, en harmonie avec ce que vous ressentez vous l'avez accueilli, vous l'avez assimilé. Alors c'est pas forcément que c'est euh, très euh, facile tous les jours parce que vous êtes quand même assez réceptif à ce qui se passe. Moi j'ai une hypersensibilité de votre côté, une hyper euh, empathie quelque part, vous avez peut-être tendance alors ça peut être on va dire de manière très pragmatique, vous avez tendance à savoir euh, à comprendre l'autre, à analyser ses ressentis, à rentrer un petit peu dans sa tête et à savoir ce qui se passe on va dire euh, un petit peu. Soit euh, on peut parler de, de capacité, hein, peut-être un petit peu plus médiumnique, un petit peu plus euh, spirituel, où euh, vous ressentez l'autre vraiment à distance, quand il n'y a pas de contact, vous avez peut-être des rêves, des choses comme ça. Toujours est-il que vous êtes vraiment très 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 sensible à l'autre, très réceptif aussi à ses états d'âme, à ce qu'il ou elle pense et ressent, à ce qu'il ou elle traverse. Et euh, c'est vrai que, même si vous êtes dans l'accueil de tout ça et dans l'acceptation de la situation, c'est pas pour autant que c'est toujours très évident, parce que bah, ça vous parasite un petit peu quelque part, hein, il faut le reconnaître. Euh, C'est-à-dire qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui voient ça comme quelque chose de positif, hein, de, de ressentir l'autre, ou euh, de l'analyser, hein, selon vos, on va dire vos capacités ou vos, vos croyances, si vous voulez vous raccrocher à quelque chose de plus pragmatique. Euh, pour autant, il y en a pour qui c'est un poids. Parce que ben, ça épuise, ça fatigue. Et puis parce que aussi, on, vous avez peut-être un petit peu du mal à vous faire passer en priorité, quelque part. Parce que ben, quand on est euh, assailli par les ressentis des autres, c'est très compliqué de revenir à soi. Parce qu'on ne peut pas ignorer ce que l'on ressent, ou ce que l'on voit et ce que l'on perçoit. Euh, quand on vous donne des informations supplémentaires, c'est très compliqué de faire comme si elles n'existaient pas, quelque part. La personne à qui vous pensez est encore sur ses gardes, encore dans une sorte pour moi. Alors, je dirais pas de déni psychologique dans le sens où je pense que cette personne a accepté ce qu'il ou elle ressent pour vous. Par contre, dans une, on est dans une sorte de combativité par rapport à ça. On n'a pas forcément encore envie. Où euh, on ressent pas le le alors c'est pas vraiment le besoin c'est on, on a peur peut-être de baisser la carte d'accepter ce qui se passe euh, là où vous ça c'est acquis depuis un petit moment on a peur des conséquences on a peur de se planter on a peur euh, j'ai du rejet aussi, de vous perdre, du rejet, des choses comme ça. Donc on a du mal à s'impliquer euh, sérieusement dans la relation. On va être plutôt dans l'esquive, peut-être dans la confrontation parfois, euh, dans des comportements qui peuvent être un petit peu incohérents, du chaud-froid, des choses comme ça, parce que du mal à se stabiliser. On essaie de vous cacher les choses. Sauf que bah, ça marche pas, parce que vous vous captez tout, de toute façon. Donc euh, voilà. Mais euh, c'est vrai que on est euh, sur quelque chose qui a du mal à s'harmoniser et à s'équilibrer finalement parce qu'on est sur quelqu'un qui essaie de cacher euh, de, de se protéger et vous qui naturellement bah, comprenez quand même tout ce qui se passe et qui du coup euh, vous c'est vous cachez aussi un petit peu ce que vous ressentez pas pour les mêmes raisons, vous. C'est pas pour vous protéger, c'est pour protéger l'autre aussi quelque part. C'est-à-dire que euh, si vous sentez que la personne elle est euh, en angoisse, elle est triste, elle est déprimée, et que vous vous savez que vous avez besoin par exemple d'un engagement pour aller mieux, et eh bien vous allez le cacher, vous allez le garder pour vous. Pourquoi Parce que vous ne voulez pas rajouter ce poids supplémentaire à l'autre, parce que vous savez les conséquences que ça pourrait avoir. Donc on est sur deux personnes euh, qui pour moi s'aiment énormément. Euh, et, et qui malheureusement ont du mal à être honnêtes l'une envers l'autre, euh, chacune pour des raisons qui sont différentes. D'accord Ok. Alors, on va aller voir ce qui a changé du coup de manière notable dans les sentiments de cette personne, dans ce que cette personne ressent pour vous. La colère. Ouais. Et moi, la colère, euh, c'est pas, euh, je le ressens pas, de, on est en colère contre vous maintenant, c'est plutôt cette colère qui s'est apaisée. On a dû vous en vouloir. On a dû peut-être même dans le passé vous faire payer, être agressif ou agressive. Euh, quand j'ai agressif ou agressive, euh, alors vous prenez dans la mesure pour laquelle ça résonne pour vous ça peut être des pics ça peut être des comportements un peu destructeurs de euh, je te fais du mal par exemple je te rends jaloux ou jalouse ça peut être je coupe les ponts euh, de manière brutale plusieurs fois ça peut être j'exhibe quelqu'un d'autre sous ton nez Vous voyez on vous en voulait on vous en voulait de ce que l'on ressentait pour vous et là aujourd'hui j'ai l'impression que on est un petit peu plus dans l'acceptation de ce que l'on ressent alors oui on combat toujours ces sentiments-là parce que ça nous arrange pas parce qu'on en a peur. Pour autant, on a compris que c'était pas de votre faute et que c'était pas à vous qu'il fallait en vouloir et j'ai l'impression que la colère est plus dirigée vers soi maintenant. Donc, c'est une évolution qui est intéressante parce que du coup, je pense que vous avez dû sentir cette personne s'adoucir avec vous un petit peu avec le temps, d'accord euh, Faites un petit euh, un petit point sur euh, comparer à je sais pas alors tout dépend de la on va dire de la durée de votre relation mais pensez à une période qui était plus compliquée avec cette personne comparée à aujourd'hui et je pense que vous allez ressentir ou voir que y a, cette personne est moins agressive moins piquante moins dure avec vous mais peut-être plus avec lui-même ou elle-même ok qu'est ce qu'on a d'autre on est un petit peu et ça va avec cette colère, on est moins injuste, on est un petit peu plus équilibré. OK Alors, on va pas se mentir, <laughs> c'est peut-être pas encore gagné. Mais j'ai l'impression pour moi, comme la colère était tournée contre vous et qu'aujourd'hui elle est plus tournée contre soi-même, on va être beaucoup moins dans les reproches, beaucoup moins dans l'accusation qui en plus n'était pas légitime, mais on va être aussi euh, un petit peu plus euh, un petit peu plus doux, peut-être. Un petit peu plus. On va vous, commencer peut-être à vous rendre un petit peu les choses. D'accord? Alors. Encore une fois, c'est peut-être pas, euh, c'est quelque chose qui a dû se faire sur un moment, d'accord. C'est, c'est pas un changement qui s'est fait du jour au lendemain. Mais pour moi, on est sur une personne qui est un petit peu plus juste dans sa dans sa vision de voir les choses, qui, une fois sortie de la colère, a eu plus de recul. Et c'est assez, euh, c'est un comportement qui est assez euh, assez logique. Hein on en a tous, on l'a tous vécu quand on est énervé. Euh, par exemple, je sais pas, euh, après quelqu'un qui vous dit quelque chose qui vous plaît pas, vous allez voir rouge et puis vous allez, je vais pas dire dramatiser, mais quand on est pris par la colère, on manque clairement de recul. Et puis une fois qu'on redescend, on se dit, "oh, c'était pas si terrible. Et puis finalement, je peux comprendre que il ou elle a dit ça parce que j'ai fait ci ou j'ai fait ça. Vous Voyez, et ben là, c'est un petit peu pareil. On sort de cette émotion qui nous permettait. C'était une sorte de combat encore, hein. c'est juste qu'on a changé ce combat, euh, et, et maintenant qu'on a un peu moins le nez dedans, on est beaucoup plus équilibré, beaucoup plus juste dans notre manière de voir les choses, et donc beaucoup plus juste avec vous, beaucoup plus aligné, beaucoup plus euh, peut-être reconnaissant et beaucoup moins accusateur ou accusatrice. Donc on est quand même sur quelqu'un qui a fait pas des petits changements quand même. Hein. Faut dire ce qui est, c'est important ce qui est en train de se passer. Enfin, ce qui s'est passé. Mmh. Mmh. Ouais. Alors pour moi, on se... Comme on n'est plus dans... En fait, vous n'êtes en gros vous n'êtes plus l'ennemi. On va dire ça comme ça. Avant, on, pr... on assimilait nos émotions, on va dire notre amour, les choses qui nous dépassaient, à vous. Donc, comme on voulait combattre ça qui nous faisait peur, on vous combattait. Donc, il y avoir beaucoup de conflits, beaucoup de confrontations, de choses comme ça. Aujourd'hui, grâce à ce recul, on n'est plus en mode attaque. On est moins en mode défense, parce qu'on se rend compte que le problème, c'est pas vous, c'est faire le clair avec nos sentiments, avec nos émotions. Donc, on s'ouvre un petit peu plus et encore une fois, on est dans l'énergie du don. Offrez votre énergie. De légèreté aux autres. Donc, euh, il y a peut-être un peu moins, vous avez, vous avez peut-être senti une personne qui est un peu moins sur ses cartes. Pour moi, c'est pas forcément euh, le flirt à l'état brut dans le sens où cette personne flirte beaucoup plus avec vous. C'est pas comme ça que je le ressens. C'est plus, cette personne est plus légère avec vous moins dramatique, moins extrême, moins sur la défensive. On partage peut-être plus de choses. Et, et pas forcément que dans le flirt et dans la séduction, ça peut être on s'ouvre un peu plus, on rigole un peu plus, on parle de manière plus légère de certains sujets. C'est vraiment comme ça que je le ressens. On a réussi un petit peu à baisser ses barrières, sa garde, sa colère pour vous voir pour ce que vous êtes, c'est-à-dire une personne qui, comme lui ou elle, n'a rien demandé quelque part. Hein Et non plus comme l'ennemi à abattre ou l'ennemi à fuir. Donc euh, on a un cheminement qui est. qui a été fait, qui est quand même... Alors, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, on ne va pas se mentir mais c'est quand même énorme hein, au niveau de, de la manière de ressentir les choses parce que on n'est pas au stade de la pensée la pensée c'est rationnel et euh, la pensée c'est très bien mais si on n'est pas convaincu émotionnellement ça ne dure pas dans le temps alors que là euh, on est sur une conviction émotionnelle sur quelque chose qui s'est débloqué donc c'est ultra encourageant parce que ce qui a été acquis quelque part, ne plus être en colère contre vous, voir les choses avec un petit peu plus de justesse et puis euh, s'ouvrir avec un peu plus de légèreté, ce sont des choses qui sont acquises. D'accord euh, Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de temps en temps euh, deux, trois petits pas en arrière parce que la personne trébuche, c'est tout à fait normal, mais on ne reviendra pas au stade qu'il y avait avant ça. Hmm. Ouais. j'ai l'impression qu'on est quand même un petit peu plus euh, libre dans le sens où on s'autorise maintenant avant euh, vous étiez encore une fois un ennemi on n'était pas du tout dans la projection on était dans l'instant t dans le combat euh, je prends un coup j'en rends un j'ai peur je contre attaque on était dans quelque chose de très figé quelque part hein. Aujourd'hui, on se surprend à se projeter, à imaginer des choses. Alors, est-ce que c'est réellement entièrement positif Non. On voit là, par exemple, hein, sur cette image, il y a un serpent qui enlise la jambe. Donc, oui, on est en train de rêver. Oui, on imagine des choses. Maintenant, les peurs et les angoisses, elles sont toujours là. Et elles font partie de la projection. Mais avant, elles empêchaient complètement la personne de se projeter. Aujourd'hui, on envisage quelque chose on voit plus loin mais on prend et ça c'est intéressant aussi on prend en compte ce qui nous fait peur on n'est pas non plus dans l'illusion de se dire ah oh bah ça y est aujourd'hui ça va pas mais demain on aura cinq enfants de canaris une chèvre et des poules non on est de OK je me projette avec cette personne je me rends compte que j'ai des sentiments j'ai pour le moment je les combats parce que ça me fait peur mais je m'ouvre à ce qui peut arriver, je m'ouvre au champ des possibles en n'excluant pas mes rêves et mes angoisses. Donc, on arrive encore une fois à un petit peu plus d'équilibre. Ok. Ouais. Le désir a changé aussi. Pour moi, euh, en tout début, et c'est un petit peu. Euh, vous voyez, la, la colère et le désir, euh, même si c'est des émotions euh, contradictoires de prime abord, pour moi, elles ont la même, la même énergie de base. Euh, pour moi, la passion, la colère, le désir, c'est du feu. On va dire ça comme ça. C'est quelque chose d'intense, c'est quelque chose qui peut consumer. Euh, c'est quelque chose sur lequel, quand on est dedans, on a énormément de mal à prendre le dessus. Elles ont la même origine, c'est juste que c'est pas forcément traité de la même manière et c'est pas les mêmes motivations, mais c'est une énergie très feu. À l'époque, la colère, c'était on va dire le carburant de cette personne par rapport à vous. Aujourd'hui, cette colère s'est transformée en désir. Et le désir, oui, il y a une forme très passionnelle là-dedans, mais qu'on assume aujourd'hui, c'est-à-dire bah, le désir charnel hein, tout simplement, le désir euh, voilà au sens purement euh, on va dire, euh, oui, de, de, de la passion et, et du charnel, mais aussi le désir dans sa forme un petit peu plus émotive. Et ce désir est en train de faire le pont, parce qu'on a quelque chose d'un peu doux, le désir de, de se projeter, en fait. Alors j'allais dire de vivre ensemble, on n'en est peut-être pas à ce stade-là, mais le désir de partager des moments, le désir de vous voir, le désir de communiquer. Et là, on est sur un désir qui est en train de se canaliser un petit peu là où la colère elle est un peu plus compliquée à tempérer c'est possible de tempérer sa colère et de la transformer en motivation mais il y aura toujours ce côté revanche ou ce côté voyez un petit peu négatif au fond hein, quelque part alors que le désir là c'est quelque chose de positif de base qu'on est en train c'est comme une passerelle quelque part de ce que je ressens qu'on est en train d'emprunter pour se diriger vers quelque chose avec plus de vulnérabilité, beaucoup plus de, dou de douceur et de tendresse. Donc si on doit faire le résumé de ce qui a changé réellement au niveau des sentiments de cette personne, c'est que vous êtes passé de quelqu'un qui vous en voulait, qui était dans le combat de vous, de ses émotions, de ses sentiments, à quelqu'un... Qui est en train de s'aligner, de s'équilibrer, de s'ouvrir au champ des possibles Pourquoi Parce que il ou elle en a l'envie. Donc, vous avez passé un énorme cap, du moins de cette personne. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas avec le poisson rose. Alors, on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors. D'accord. D'accord. Bon, c'est plutôt bien. C'est plutôt bien. J'ai l'impression qu'on est sur euh, une relation où ça n'a pas toujours été simple. Hein. Ça n'a pas toujours été simple. Vous avez, je ne vais pas dire passé le plus dur, mais on est sur quelque chose qui est en train de se... De se concrétiser lentement mais sûrement. Et, et je pense que vous le sentez. Alors vous, vous avez toujours eu cette optique hein, euh, de se projeter, d'avoir euh, un but commun, un avenir commun, peut-être une relation. Euh, ça fait un petit moment que vous vous le, vous le sentez. Peut-être que vous échafaudez comme vous pouvez un petit peu pour orienter les choses euh, vers ça. La personne, j'ai l'impression, était un petit peu plus sur la défensive, un petit peu plus prostrée. Voilà, c'était plutôt vous le moteur tant bien que mal de la relation. Ça ne veut pas dire que vous étiez à, à orienter ou à diriger vraiment les échanges. Je, je vous vois plus, en fait, je vous vois moteur mais passivement. Je sais pas, si ça aura du sens pour vous, mais c'est-à-dire attendre à des perches, à essayer de tâter le terrain, à vous poser des questions, à interpréter des choses comme ça, mais je vous vois pas force de proposition. C'est pas vous euh, qui dites, euh, par exemple, allez viens on fait un week-end, par exemple. Mais euh, vous êtes dans le euh, ah bah si par exemple cette, pro cette personne me propose un week-end, c'est qu'on est en train d'avancer vers ça. Donc il faut que je réfléchisse à comment est-ce que peut-être ce que peut-être ce week-end on peut l'optimiser pour passer une étape, etc. Vous voyez, vous êtes dans la conceptualisation, dans euh, l'arrangement en fait de, dans cette histoire de je fais les plans. C'est un petit peu comme l'énergie de l'impératrice et de l'empereur. L'impératrice c'est l'architecte quelque part, elle fait les plans, elle les dessine, elle choisit euh, voilà ce qu'elle veut, comment le faire. Mais c'est l'empereur qui va construire, c'est l'empereur qui est dans la matière. Et ben là c'est un petit peu ça. Vous vous êtes cette impératrice quelque part, euh, voilà vous, vous vous voyez plus loin, vous anticipez, vous analysez, vous préparez un petit peu comme cette énergie de, de grossesse où on fait des plans. Et la personne à qui vous pensez était plutôt l'empereur ferme à décider, en fait à, à disposer quelque part, à proposer aussi, mais plus à amener les choses dans le concret. Et vous, bah... Un petit peu, vous connaissez l'expression, derrière chaque grand homme se cache une femme. Euh, alors, je, parce que l'impératrice est féminin et l'empereur c'est masculin, c'est peut-être les rôles inversés dans votre cas, mais c'est un petit peu ça. Vous vous soufflez à l'oreille, l'air de rien, mais c'est l'autre personne qui met les choses en place. Ok, donc ça c'était votre relation. Aujourd'hui, vous avez l'impression que la personne est quand même un petit peu plus réceptive à ce que vous lui murmurez dans l'oreille, d'accord. Vous, je ne vais pas dire que vous tiriez les ficelles parce que c'est pas ça, vous étiez plus dans j'essaye d'optimiser ce que je veux. Vous n'aviez pas énormément d'influence. Aujourd'hui, vous en avez un petit peu plus. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que la personne, par exemple, vous écoute, que la personne commence à vous dire ou à vous donner des choses, que la personne n'est plus prostrée, elle est plutôt dans l'accueil, elle est plutôt en train de positiver pour une fois, alors qu'on était peut-être plutôt sur quelqu'un d'assez négatif. Et on est en train de voir, à ce stade de la relation, un petit peu le potentiel pour une fois qui est en train d'arriver. Vous, ça fait longtemps que vous le voyez, le potentiel, mais il était plutôt abstrait il était plutôt du domaine, je veux dire, de l'imaginaire. Alors que là, on est en train de voir un petit peu les premières pierres qui sont posées. Donc, on est sur quelque chose. C'est marrant parce que j'ai l'impression que votre relation, ça fait un petit moment que vous vous tournez autour, etc. Mais c'est comme si là, elle était en train de prendre une nouvelle dimension, un petit peu plus dans le concret. Et prenez un peu de recul pour faire la comparaison à une autre période, donc selon la durée de votre relation. Quelques mois, quelques semaines, mais parce que vous, vous avez le nez dedans, c'est peut-être pas évident pour vous, mais je pense que si vous faites la rétrospective, vous allez vous rendre compte que c'est de plus en plus concret. Alors j'imagine que vous, avec la frustration, on est loin d'en être au stade où vous voulez, mais on est sur quelqu'un qui est beaucoup plus dans la positivité et dans le. Voilà dans le... J'accueille je, 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 les choses et je les accepte là où avant, il y avait peut-être un petit peu, euh, quand vous essayez de, de, de faire des, des propositions ou euh, de, de, de lancer des perches, une personne qui était plutôt fermée. Ok. Alors, on va voir ce qui a changé du coup de manière vraiment notable dans les sentiments de cette personne. Ok, pauvre. Vous voyez, c'est ce que je disais. On est positif et on, on est aux prémices des premières pierres du potentiel de la relation. On a arrêté d'être défaitiste en fait, on a arrêté de se concentrer. J'ai l'impression qu'on a arrêté de se focaliser sur nos blessures que l'on voyait comme insurmontables. Je sais pas. J'ai eu une relation qui s'est mal terminée. J'ai un divorce qui s'est mal passé. Je ne me suis jamais remise euh, ou remis de la séparation avec telle personne. Euh, J'ai été trahie. Je ne serai plus heureux ou heureuse en amour. Vous voyez, on était un petit peu en train de cristalliser des peurs, des angoisses liées à notre passé, mais on était en train de les maintenir. Moi, c'est ça que je reçois. Bien sûr qu'on a eu des choses compliquées. Bien sûr qu'on a eu des coups durs. Mais c'est comme si on leur permettait encore de survivre et de rester parce que nous on peut pas s'empêcher de les nourrir. Et qu'est-ce qui a changé C'est qu'on a arrêté de les nourrir et on se dirige hop après la pluie vient le soleil, on se dirige vers les possibilités, vers un nouveau départ. Ce qui est passé appartient maintenant au passé. Bien sûr que ça nous a affecté, bien sûr que ça nous a Marqué, que ça a provoqué des choses chez nous et que ça nous a probablement conditionné dans certains de nos comportements, mais ce qui est passé ne m'obnuile plus, j'arrête de me concentrer là-dessus pour me tourner vers de nouvelles possibilités. C'est pas rien, hein c'est pas rien. Ok, alors qu'est-ce qu'on a d'autre bah mmh. ben ouais ce que je disais en positive on voit la chance que l'on a on arrête de penser que le cadeau il est empoisonné ou qu'on ne mérite pas de l'ouvrir hein c'est un petit peu ça là c'est comme si euh, je sais pas euh, oui vous vous, vous étiez un, un magnifique cadeau et que cette personne se disait ouais mais non parce que soit il y a un piège, je sais pas. Par exemple, euh, vous offrez une super voiture et soit la personne va se dire non, il y a un piège, si ça se trouve il y a un défaut dans le moteur, ou alors ça va me coûter une blinde en assurance, donc je préfère pas la prendre. Soit la personne euh, se disait et ça peut être un mélange des deux, mais oui, mais je mérite pas un tel cadeau, en fait, je mérite pas. Et puis euh, troisième chose. En plus de ça, moi, la dernière fois qu'on m'a offert une bagnole, euh, il m'est arrivé un souci, j'ai eu un accident, ça m'a coûté une blinde, j'ai été blessée. Donc, est-ce que j'ai en plus envie d'une bagnole? Voilà. Et là, eh ben, on a changé tout ça. On voit le cadeau pour ce qu'il est réellement un cadeau. Le fait que ce soit une bagnole et qu'on soit planté, bah finalement on s'en fout. Est-ce qu'on mérite ou pas bah, pff, On s'en fout, il est là. Et puis euh, est-ce que euh, je sais plus c'était quoi le truc On s'en fout. <laughs> Alors bien sûr que ça reste des choses qui ont été tellement cristallisées qu'elles restent un petit peu. Il y a des résistances, mais là la réaction première quand on voit la voiture, ça va être de se dire c'est un beau cadeau. Et on va pas euh, commencer à euh, tergiverser pendant des heures euh, sur ce qui s'est passé dans le passé. Voilà. Donc, il y a un vrai changement d'état d'esprit et donc il y a un meilleur accueil et, et du coup beaucoup plus effectivement de positivité par rapport à la façon d'aborder les choses et à d'aborder votre relation. Plutôt bien. Alors ensuite. Confiance. Eh oui on a beaucoup plus confiance. Parce que tout, toutes ces intempéries qui étaient cristallisées, toutes ces blessures, toutes ces angoisses, elles venaient d'un manque de confiance en l'autre, en soi, en ses capacités, en sa propre résilience, en son propre, sa propre force. Aujourd'hui, on est en train de faire confiance. Mais en plus, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une dimension de plus grand. On est en train de faire confiance, alors bien évidemment, en vous, mais ça, on l'avait depuis le début, c'est la confiance en vous qui a amené la confiance en nous et qui a aussi amené la confiance en plus grand que soi. L'univers, le destin, peu importe, le hasard, le sort, le fait de vous avoir rencontré. On est en train de se dire que, voilà, quand il y a des choses qui se présentent, c'est peut-être pas automatiquement pour nous taper sur la tronche. Il y a peut-être des choses positives et que ce n'est pas parce qu'on a eu des, des mauvaises expériences passées qu'il faut ne pas avoir confiance en l'avenir. Il y a un vrai lâcher prise, quand même, hein, de cette personne, qui avait quand même conditionné tout son mental, toute sa façon de voir les choses par rapport à ses blessures, à ses angoisses et à ses peurs, et qui, aujourd'hui, lâche prise et, et voit vraiment ce champ des possibles avec cette confiance qui est retrouvée. C'est magnifique le travail qui a été fait. Hein. Alors, bon, ça m'étonnerait que ça ait été fait en un jour, mais euh, on a un énorme changement. Parce que finalement, à, à, tout, de prime abord, au tout début, quand cette personne vous avait rencontré et a développé des sentiments pour vous, la première émotion de base, c'était l'angoisse, bien plus que l'amour ou l'attachement. C'était la peur. C'était le, le, le "je me défends". Aujourd'hui, bah c'est l'amour, avec des petits arrière-goûts là, euh, des, des petites notes vraiment en fin de stress. Angoisse qui, qui c'est normal, hein, je veux dire, là on, on part pas. J'ai pas l'impression que c'est une personne qui est volontairement travaillé sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui, grâce à vous, à la confiance, à, à peut-être la mesure aussi, parce que vous n'avez pas voulu brusquer les choses, parce que vous avez été pas mal fort dans votre rôle, l'impératrice, on va dire, ben ça s'est venu naturellement. Mais donc, du coup, les angoisses, les peurs et les blessures n'ont pas été traitées. Donc, bien sûr qu'elles restent un petit peu en arrière-plan, mais elles ne sont plus handicapantes, du moins, elles ne beaucoup moins Vous voyez on est prêt à faire des compromis aujourd'hui là où avant on voulait tellement se défendre qu'on pouvait être très ferme très dur très intransigeant ou intransigeante pourquoi parce qu'on était convaincu et on avait décidé que Décider que ça ne fonctionnerait pas, décider qu'on allait souffrir, décider qu'on n'était pas prêt ou pas prête. Aujourd'hui, parce qu'on a confiance en soi, en l'autre, en l'univers, peu importe, on se dit que ça vaut peut-être le coup de tenter. Et c'est pour ça que dans les énergies générales de la relation, c'était déjà très fort en fait. Vous, vous êtes cette. Vous êtes une encre, vous êtes un phare, vous avez toujours été dans ces dispositions-là. Vous avez toujours été un petit peu à élaborer, à, à voir les choses, à les anticiper, à savoir où est-ce que vous, vous vouliez aller. Et parce que, voilà, vous avez été patient, lent, etc., et que vous avez été constant, eh ben on est passé de quelqu'un de défaitiste, comme ça, à quelqu'un... Bah, comme ça hein, de toute façon qui positive qui remercie un petit peu ce qu'on lui a donné et qui a envie de saisir l'opportunité et ce compromis c'est cette énergie de l'enfant c'est la naissance c'est le début de quelque chose là où avant c'était non 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 donc euh, c'est un, un beau travail que vous avez fait. Alors malgré vous, je pense, ça, de, ça ne devait pas être conscientisé, mais vous avez eu exactement le comportement qu'il fallait avoir, stable, constant, rassurant, qui fait que aujourd'hui cette personne a traversé, a surmonté énormément d'obstacles, de traumatismes de, et de choses comme ça. Hein. Voyez, on s'est soigné, on a guéri. Alors, on n'a pas, encore euh, une fois, on n'a pas tout traité, on n'a pas fait de thérapie, on n'a pas fait de travail sur soi, etc. Mais, finalement, on va être honnête. Est-ce qu'on est vraiment obligé, quand on fait une guérison, quand on se soigne, euh, je parle sur le plan psychologique, d'aller au fond du bout du bout des choses pour être capable de marcher c'est comme la rééducation. Si vous vous cassez la jambe, on va pas attendre que votre os y soit complètement ressoudé et parfait et vous immobiliser pendant cinq ans, je ne sais pas le temps que ça se fasse. On va vous demander de travailler et c'est de la rééducation. Et là, c'est un peu pareil. Bien sûr, qu'on n'est pas allé chercher le fond du truc, du bordel là, de le soigner, d'aller remonter à l'enfance et je ne sais pas quoi. On n'a pas fait de thérapie pour autant. Aujourd'hui, on est capable d'avancer. Alors, on va peut-être boiter un petit peu, on va peut-être trébucher, on va, ça va peut-être pas être agréable, mais on est capable de remarcher. Pourquoi Parce qu'on a commencé à guérir. Et finalement, est-ce qu'on est obligé d'aller au fond des choses pour faire en sorte que ça marche avec vous Je pense pas. On aura peut-être une douleur résiduelle, on traînera peut-être un petit peu la patte quand il fait euh, pas beau, quand euh, il pleut, etc. Mais pour autant, eh ben, on peut continuer à faire notre petit bonhomme de chemin. Et puis le reste va se guérir petit à petit, soit avec à votre contact, soit si on a vraiment envie d'aller au fond des choses, peut-être que cette personne ira voir des professionnels, des thérapeutes. Mais ce qui l'empêchait de marcher avec vous, aujourd'hui, c'est fini. On est en train. Alors, rééducation, certes, on ne va pas aller courir le 100 mètres, mais on est prêt à marcher avec vous. Eh bien, écoutez. C'était euh, une belle guidance pour le coup. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième poisson, le poisson noir. Alors on va aller voir comme d'habitude les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, mais dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis c'est une guidance générale. Donc vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste de côté. Et puis si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... D'accord. Ok. Très bien. Alors, j'ai l'impression qu'on est dans une relation où, alors, bon, on a l'impression peut-être qu'elle va trouver sa moitié. Là-dessus, il y a quelque chose qui est évident, d'accord, qu'il a sûrement été dès le tout début. Mais... Euh, moi j'ai une sensation de euh, finalement la personne à qui vous pensez euh, reste un petit peu campée sur ses appuis, sur ses opinions, alors pas dans le sens têtu, dans le sens où j'attends qu'on vienne à moi, j'attends que la personne vienne me chercher, j'attends que la personne fasse ses efforts, j'attends que l'autre bah, fasse le travail que j'ai pas envie de faire. Hein. Donc on est sur quelqu'un d'un peu euh, peut-être prudent, méfiant, euh, quelqu'un qui va pas être très démonstratif, une personne qui va plutôt être dans le euh, voilà, je, je, peut-être je tends des petites perches, peut-être que je les saisis, mais est-ce que c'est moi qui vais être force de proposition Non, c'est un petit peu comme si vous étiez face à un, à un animal qui va se planquer dans sa tanière à chaque fois que vous faites quelque chose. Et euh, jusqu'à maintenant, ça n'a pas forcément bien fonctionné, mais j'ai l'impression que vous vous êtes un petit peu lassé de ce jeu-là, euh, parce que euh, vous preniez peut-être beaucoup de poids sur vos épaules, à dire que si vous vous entreteniez pas la relation, finalement c'est pas l'autre qui allait le faire. Et aujourd'hui vous avez envie un petit peu de mettre les voiles, quoi, hein, de euh, voilà, de, de désinvestir, de prendre de la hauteur, de sortir de tout ça. Et finalement, bah, on a la personne à qui vous pensez qui est curieuse, qui passe un petit peu là la tête au-dessus du muret, qui est en train de se dire mince, qu'est-ce qui se passe ben finalement, si on ne vient pas à moi, ça va peut-être être à moi de venir à l'autre. Donc, on est sur quelque chose où les énergies sont en train de changer au niveau de la relation. Là où vous investissiez beaucoup, aujourd'hui, vous avez plutôt de je prends le recul et donc la personne réinvestit un petit peu la relation. Alors, on ne va pas être dans des déclarations d'amour, hein, des choses comme ça. Euh, on va plutôt être sur quelqu'un qui approche timidement qui peut euh, par exemple faire des choses que il ou elle n'a pas l'habitude de faire. Ça peut être être initiateur ou initiatrice au niveau de la communication, euh, donc que ce soit écrite ou euh, en face à face. Hein. Euh, ça peut être euh, peut-être être aussi euh, plus... Euh, plus dans le questionnement par rapport à vous, un petit peu plus. Je prends des nouvelles, je veux savoir comment ça va, ou alors je j'ouvre plus la discussion. Vous sentez que c'est un peu plus ouvert que juste je réponds et puis je reste dans ma dans ma grotte. Donc on a les énergies qui sont un petit peu de changer, en train de changer. Pour moi, on est sur quelque chose quand même d'assez euh, de plus équilibré et sur un tournant qui est intéressant parce que finalement vous. Euh, j'ai pas l'impression que vous, vous saviez quelque part que vous pouviez pas forcément renoncer à cette relation et vous ne renoncez pas, c'est juste que vous vous faites passer en priorité et l'autre est en train de se rendre compte qu'il ou elle ne peut pas renoncer à la relation. Chose que cette personne avait du mal à appréhender tant que vous, vous faisiez le travail quelque part. Ok. Alors, on va aller voir ce qui a changé vraiment de manière notable dans les sentiments de cette personne par rapport à vous. Ouais. Et c'est une bonne chose. Pour moi, on commence. Alors, on a enlevé certains doutes euh, qui étaient assez, peut-être, euh, narcissiques ou tournés sur soi. C'est-à-dire. Euh, euh, est-ce que je vais pas souffrir Est-ce que je suis assez bien Est-ce que si est-ce que ça Vous voyez ces doutes là euh, se sont dissipés. Alors c'est pas qu'ils ont été traités, c'est pas que cette personne par exemple se dit euh, youpi je peux y aller, je vais pas souffrir ou euh, non c'est bon, je mérite cette personne. C'est plutôt qu'ils sont passés en arrière-plan pour être remplacés par d'autres doutes qui sont je trouve plus constructifs finalement. Parce que avant c'était assez narcissique, euh, c'était plus pour se protéger ou par rapport à ses propres peurs et ses propres angoisses. Aujourd'hui, les doutes sont un petit peu plus sur si je ne fais rien, est-ce que je ne vais pas passer à côté Si je ne fais rien, est-ce que la personne ne va pas partir Donc finalement, là où avant on était dans la peur d'accepter, dans les doutes sur l'acceptation de la relation, des sentiments, etc., aujourd'hui on a des doutes quant à la potentielle perte de cette relation. Et ça change beaucoup de choses dans l'appréhension de la relation, dans la manière pardon, de fonctionner, parce que du coup, on est beaucoup moins, euh, bah, à l'image de cette personne qui passe un petit peu la tête au-dessus du muret, on est beaucoup moins à se concentrer sur nous, notre jardin et ce qui se passe chez nous, et on s'ouvre à l'extérieur, on, on commence à envisagé, on sort de sa tanière et on pointe le museau dehors pour regarder qu'est-ce qui se passe. Donc quelque part, euh, c'est comme si, je vais pas à dire que les doutes ont été remplacés par la curiosité parce que d'autres doutes ont pris la place, hein, d'autres questionnements, mais la curiosité est supérieure maintenant à ce qui empêchait cette personne de sortir de cet endroit. Qui, voilà, vous imaginez un animal au fond d'un terrier, et eh bien euh, s'il a peur qu'il y ait des prédateurs au dehors, etc., il va rester au fond du terrier. Alors que là, on est en train de se dire, ouais, mais ça sent bon dehors, il y a l'air d'avoir du soleil, il y a l'air d'avoir des trucs sympas. Donc finalement, est-ce que j'irai pas juste hop, sortir le bout de mon nez pour voir ce qui se passe, et puis. Et eh bien, ensuite, me poser peut-être d'autres questionnements. Donc, c'est intéressant parce qu'on n'a pas traité ces choses-là, mais on les a remplacées pour que ça devienne moins handicapant. Vous voyez On veut laisser les choses. Un petit peu changé. On est prêt. Je pense que c'est quelqu'un qui ne voulait pas de changement hein, justement, qui était assez obnubilé par ça parce que la stabilité c'est associé à la sécurité et qui aujourd'hui est prêt à saisir l'opportunité, à tourner cette roue et à voir ce que ça peut amener. Alors encore une fois, on va pas être initiateur, on va pas être moteur parce qu'on n'en est pas à ce stade-là, mais moi je sens cette curiosité quoi. Qu'est-ce que ça peut amener? Qu'est-ce que ce serait si on, on, on tentait quelque chose? Qu'est-ce que ce serait de s'ouvrir, ne serait-ce qu'aux possibilités? Sans parler de les saisir, qu'est-ce que ce serait d'accepter que les choses puissent changer? Puisqu'elles sont de toute façon en train de changer. Puisque je sens cette personne, je vais pas dire qui s'en va, mais qui s'éloigne. Donc, est-ce que je, re je reste là et je regarde les choses se faire et puis la personne bah, va se barrer ou est-ce que hop je grimpe sur la roue et je suis le mouvement pour voir ce que ça donne. On est, on est beaucoup moins réfractaire. Hein. Hmm. Et vous voyez parce que les doutes du début qui ne concernaient que nous. Est-ce que je vais pas souffrir Est-ce que je suis à la hauteur Est-ce que si est-ce que ça Comme ces doutes se dissipent et qu'on s'ouvre à la curiosité et aux choses, on s'ouvre à l'amour. Parce que l'amour, c'est être tourné vers les autres quelque part. On ne peut pas aimer quelqu'un si on se regarde le nombril quelque part. Donc la connexion qui était là au début entre vous qui a certes ébranlé cette personne, bah finalement, elle avait jamais été considérée comme telle, parce qu'on était beaucoup plus omnubilés par nos peurs et nos angoisses que par cet amour, que par le potentiel, que par... Alors, amour au sens large, hein. euh, ça peut être amour romantique, ça peut être... Euh, parce que là, ça parle de sentiment romantique, mais ça peut être aimer quelqu'un. Euh, C'est une première étape hein, d'accepter d'aimer quelqu'un au sens large, au sens inconditionnel, euh, peu importe. Hein. Et du coup, bah, en changeant notre point de vue, sur nos angoisses, en se regardant un petit peu moins le nombril et en étant moins focalisé sur ce qui pourrait nous arriver de terrible, eh bien, on s'ouvre, du coup, à ce que l'on peut ressentir, à ce que l'autre euh, apporte, et non pas qu'est-ce qui pourrait apporter dans le sens euh, de terrible, finalement. Donc, je ne dirais pas qu'on est, euh, encore une fois, prêt à se lancer pour autant on est en train d'accepter ce que l'on ressent pour vous alors un petit peu par la force des choses hein, du coup si vous mettez la distance par exemple mais on est en train de se rendre compte un petit peu maintenant qu'on l'a plus ou qu'on l'a moins qu'il y avait quelque chose qui était peut-être plus important que nos angoisses qui étaient peut-être infondées on est dans ces questionnements là quelque part hein, et du coup on est en train de s'ouvrir à vous et aux possibilités et donc au potentiel des choses quelque part Hmm. bah ben ouais. On ne vous voit plus comme quelque part comme quelque chose de compliqué, hein. on vous voit comme quelque chose de positif. On accepte. Alors, je vais pas dire que on accepte encore entièrement l'amour. Pour moi, on s'y ouvre. Il y a une nuance. Hein. Parce que accepter l'amour, ça veut dire quelque part être dans une optique pour avancer, de mettre des choses en place, de projection. On n'est pas du tout dans la projection. Faut pas se mentir, on est à l'instant T. Euh, voilà, encore une fois, on a pointé le museau dehors. On se dit, c'est cool, le soleil, les papillons, les trucs comme ça. Euh, ce serait bête de passer à côté. Mais on n'en est pas à s'imaginer d'aller faire des balades dans la forêt, d'accord C'est c'est quand même important de le dire parce que ne vous attendez pas à ce que cette personne change complètement du jour au lendemain, se projette et mette des actions en place. Pour le moment, on est en train d'accepter l'idée de sortir de sa grotte, ce qui est déjà pas mal. D'accord D'accepter l'idée que le dehors, c'est pas forcément que des vilains prédateurs qui vont nous bouffer. Que dans le dehors, il y a aussi des choses positives. Encore une fois, les papillons, les coccinelles, le soleil, peu importe. D'accord Donc, on n'en est pas euh, non plus à sortir de la tanière et même à faire quelques pas. On est en train. C'est vraiment important que vous compreniez la différence parce que euh, on, on est en train d'accepter la possibilité que ce ne soit pas si terrible ou que ce ne soit pas ce que l'on pense. Donc on s'autorise à regarder ce qui se passe dehors, mais on s'autorise pas encore à sortir, à marcher, à aller se balader. Ça va venir, mais là c'est plus une question de conditionnement de OK, bah j'analyse je regarde. Euh, est-ce que parce que moi je suis quand même convaincue de mes angoisses, donc il y a peut-être des prédateurs. Est-ce que je vais pas les repérer Est-ce que je ne vais pas attendre d'être sûr qu'il n'y en a pas Est-ce que ce que, euh, que j'estime être positif et qui a l'air de m'émerveiller, est-ce que c'est suffisant pour prendre un risque Ça a l'air, mais bah, je ne vais pas sortir de ma grotte tout de suite. Voilà. C mais c'est vraiment j'insiste parce que la nuance est importante. Hein. On n'en est pas encore une fois à se dire youpla la boum, on y va, c'est parti. Hein. Vous voyez, on s'ouvre au bonheur, on s'ouvre aux possibilités, aux possibilités qu'il puisse nous arriver quelque chose de positif. Et, et c'est pas, c'est pas rien. Peut-être que pour vous c'est pas grand chose parce que c'est vrai que peut-être comparé aux autres tas c'est pas transcendant hein, sur le papier. Si vous avez regardé les autres tas, ce qui est en train de se passer pour vous. Pour autant, c'est un des pas les plus difficiles d'accepter de se dire que tout n'est pas négatif, que ça va pas nous tomber sur le coin de la gueule dès qu'on va sortir, que ça va pas se finir en drame. Alors oui, on n'en est pas à imaginer qu'on va gagner au loto, mais déjà ne se dire que on va pas souffrir, que c'est pas obligatoire, que c'est pas une fatalité, que tout ne va pas mal se passer, que nous aussi on a le droit d'être heureux. Alors bien sûr, le monde n'est pas blanc ou noir, euh, on va pas être soit entièrement heureux, soit entièrement malheureux. Mais c'est un peu la vision que cette personne avait de la vie, et notamment des relations sentimentales. Et là, on est à, en train d'apprendre un petit peu le gris. On est au tout début, hein, mais on est en train d'apprendre un petit peu le gris, qu'on ne sera pas euh, forcément complètement malheureux. On ne sera pas forcément complètement heureux. Mais il y a un juste milieu qui peut se trouver et qui peut être bien, où il y aura une majorité de bonheur et peut-être deux, trois petites choses. Et on est en train de se dire que bah finalement, si on doit euh, analyser les risques et les bénéfices, ce n'est peut-être pas aussi dramatique que ce qu'on qu s'est mis dans la tête. Et donc, on est en train d'avoir une sorte de curiosité pour ce bonheur qui nous est, on va dire, offert ou présenté. Est-ce qu'on va le saisir? On n'a pas envie qu'il s'échappe. C'est-à-dire que c'est pas nous qui allons faire tourner la roue, mais si la roue, elle tourne, on va essayer de suivre un petit peu le mouvement. Alors peut-être on ralentit, peut-être reculons parce qu'on ne sera pas super confiant, mais on va essayer de suivre le mouvement. Par contre, encore une fois, ne vous attendez pas pour moi à ce que cette personne soit force de proposition. Oui, il doit y avoir des petits trucs, genre poser des questions, s'ouvrir un petit peu plus à la communication, mais gardez en tête qu'on est. Cette petite souris là dans sa dans, dans sa tanière là dans son terrier qui pointe le museau et qui regarde et qui aurait envie de poser des questions de euh, je sais pas il croise une belette euh, est-ce que tu t'as vu euh, je sais pas des chats qui pourraient me bouffer est-ce que tu t'as vu des papillons voilà on est dans le questionnement et dans le allez j ai, j ai... en gros je me dis que j'avais peut-être tort et que c'est pas si terrible alors on va essayer de se faire une autre opinion voilà eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, et eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.